À l'origine du projet, c'est Parenthèse des savoirs, qui est un organisme de formation parisien, qui a proposé donc ce projet auprès de Auchan France. Et ensuite, ça a cheminé vers le nord, le Pas-de-Calais, et notamment l'UDAPEI, qui est ensuite redispatché sur les APEI. Et ici, à Valenciennes, on a pu proposer d'intégrer la formation auprès des personnes en situation de handicap, ouvriers des ZAT. Alors concrètement, ça s'est passé à l'homme où les personnes allaient une semaine par mois en formation pendant 4 jours. Elles étaient logées, le groupe était logé là-bas à l'homme. 3 semaines en entreprise, donc au champ Petite Forêt. Et puis un retour une fois par mois au CISEP, donc pour faire un débriefing de la semaine et du mois écoulé. Donc ça pendant 15 mois. Et donc les personnes, donc sur les 12 apprenants, 12 personnes ont obtenu le diplôme. Donc c'est 100% de réussite. Aujourd'hui, ils ont terminé leur formation. On est en pourparlers avec Auchan pour obtenir un contrat de travail. Et donc l'accompagnement continue. Et ces personnes, donc on espère qu'elles obtiendront un contrat de travail, que ce soit chez Auchan ou en grande distribution. C'est un honneur d'avoir pu accompagner ces deux personnes. Ça a été une grande satisfaction de travailler aussi avec toutes les équipes éducatives en amont qui les connaissent depuis des années, avec qui on travaille les projets de sortie vers le milieu ordinaire. Ça a été un réel plaisir de pouvoir les observer évoluer, que ce soit en entreprise, en centre de formation, personnellement, s'affirmer. Et puis encore apprendre, cette capacité encore d'apprendre. Et encore une fois, aujourd'hui, je suis complètement bluffée parce que ce sont de vrais professionnels. Et je leur tire vraiment mon chapeau.